Bonjour à toi, chers spectateurs, et donc bienvenue dans cet épisode 50 et dernier épisode d'Au coin du Blu-ray. Épisode donc consacré. Alors, j'ai hésité parce que vu qu'on était à W hier, il me restait X, Y et Z. Y, j'ai qu'un seul film, c'est Eve, dont on a déjà eu l'occasion de parler. Un film que j'adore énormément, que je trouve assez jouissif. Mais j'ai eu une autre opportunité. Et du coup, j'ai préféré sauter sur celle-là pour vous parler d'un coffret. Un coffret qui porte le nom de son réalisateur. Le coffret Rob Zombie Trilogy, édité par Metropolitan Film Export, qui donc regroupe en son sein La Maison des Mille Morts, The Devil's Reject et Free From Hell. La fameuse trilogie de Rob Zombie autour de ces trois personnages iconiques qu'il a su ériger au cœur des années 2000 et dont il a offert la conclusion il y a maintenant 3-4 ans, si je ne me plante pas. L'histoire, alors si je devais vous la résumer simplement, on va suivre une famille, notamment trois personnages bien tarés, un peu congénitaux et un peu déjantés, qui vont traverser les États-Unis. Si on devait le résumer simplement, ça serait ça, en fait, les trois films. Pourquoi je parle de ce coffret plutôt que de parler d'un des trois films? Parce que les trois films sont très intéressants. Et surtout, Rob Zombie, c'est un cinéaste que j'aime énormément parce que c'est un mec qui a une manière de voir le cinéma de genre comme personne d'autre dans le cinéma américain. On parlait justement la semaine dernière de The Witch, avec cette nouvelle vague de cinéastes issus de la boîte à 24 comme Robert Eggers, comme Ari Aster ou David Robert Mitchell. Si on devait prendre quelqu'un qui sera en opposition tout en étant dans la même mouvance, ça serait Rob Zombie. Parce que Rob Zombie a cette même manière de concevoir le cinéma de genre de manière atypique et de manière très auteuriste, mais il l'a fait bien avant finalement ces trois metteurs en scène assez géniaux qui ont su un petit peu poursuivre sa nouvelle voie, en offrant des films qui avaient aussi une ambiance et une manière de regarder le cinéma qui était assez atypique. Mais clairement, Rob Zombie, lorsqu'il s'est posé au cœur des années 2000 comme non plus un musicien, mais comme un metteur en scène de cinéma, après avoir offert plusieurs clips assez géniaux en termes de style, lorsqu'il a réalisé La Maison des Mille Morts, qui était son premier long métrage, il a voulu poser une nouvelle vision de ce cinéma qui était extrêmement radicale dans ses aspects les plus primaires. C'est-à-dire que c'était du cinéma qui voulait être gore, qui voulait aborder de manière radicale des sujets parfois tabous, et qui voulait surtout jouer avec l'ambiguïté que pouvait proposer un récit au spectateur. Parce que si dans la maison des mille morts, c'est pas forcément tout à fait présent, dès le moment où on passe dans The Devil's Reject, on comprend que ce qui fascine Rob Zombie, c'est pas les gentils. Clairement pas. C'est les méchants. Et qu'à partir de là, l'idée même de son cinéma, c'est de nous embarquer dans la tête d'un fou furieux, psychopathe, qui va potentiellement nous mettre mal à l'aise. Mais vraiment nous mettre mal à l'aise. Et clairement, c'est ce qui se passe. Et cette trilogie est assez symptomatique de tout ce qu'a voulu faire Rob Zombie par la suite de sa filmo, que ce soit dans les Halloween, que ce soit dans Salem, The Lords of Salem, où vraiment il a voulu pousser une certaine idée de cinéma qui se voulait très proche de Kubrick, mais pas forcément de manière très subtile. C'est comme ça qu'il a voulu poser son cinéma, Rob Zombie. Comme un septième art qui veut explorer le côté complexe d'apprécier quelqu'un de profondément malsain et de profondément violent. C'est pas toujours parfait, faut pas se voiler la face. Personnellement, j'adore The Devil's Rejects. J'aime bien La Maison des Mille Morts. Je suis pas très client de Free From Hell. C'est pas fou, c'est pas totalement maîtrisé, on sent que c'est très hasardeux, que c'est presque trop gentillet pour du Rob Zombie. Honnêtement, Free From Hell, c'est son film le moins tabou et le moins controversé, et c'est un de ses moins intéressants en termes de profondeur et d'analyse. C'est pas vraiment un film passionnant, mais The Devil's Rejects, pour moi, on peut le considérer aujourd'hui comme un chef-d'œuvre. Parce qu'il y a une manière de concevoir le cinéma, il y a une manière de le mettre en scène, il y a une manière de jouer avec qui est assez géniale. Et c'est d'ailleurs pas pour rien que sur ce coffret, The Devil's Rejects soit celui qui soit le seul à disposer d'une magnifique galette avec des bonus. Les autres ayant leur bonus déjà greffé sur les disquettes, mais The Devil's Rejects a tellement fasciné lorsqu'il est sorti que Metropolitan lui a carrément consacré un Blu-ray bonus. J'en profite d'ailleurs pour vous montrer à quel point ce coffret est magnifique. Je trouve que tous les dessins qui sont faits dedans
sont terrifiants, mais sont assez géniaux et représentent très bien la manière avec laquelle Rob Zombie conçoit son cinéma. Ce coffret est vraiment bien. Alors après, je sais, tout le monde n'est pas fan des trois films. C'est possible que vous en aimiez qu'un seul plus qu'un autre. Mais honnêtement, vu le prix auquel il est vendu, et vu surtout tous les bonus qu'il y a dedans pour The Devil's Rejects, ça vaut quand même largement le coup de se le procurer. Et je trouve que Metropolitan Film Export, encore une fois, démontre bien qu'ils ont un vrai talent pour concevoir les coffrets. Parce qu'on a vu beaucoup de distrib dans ces émissions, que ce soit au coin du DVD ou au coin du Blu-ray, ne pas réussir justement à proposer les bonus adéquats pour les films. Metropolitan Film Export fait clairement partie de ces distribs qui, lorsqu'ils font des DVD ou des Blu-ray, se disent qu'il faut que le spectateur en ait pour son argent. Que ce soit DVD ou que ce soit Blu-ray, les coffrets sont souvent garnis de bonus. Et vraiment, celui-là, il en est plein rabord. Et c'est un pur plaisir. Donc ouais, ce coffret reste quand même cool. Qu'on aime ou qu'on n'apprécie pas forcément à fond les trois films. Même si vous en avez qu'un seul que vous appréciez beaucoup, les autres sont tellement compliqués à trouver en Blu-ray que vraiment ce coffret vaut largement le coup et je vous invite à vous le procurer. Et ainsi s'achève donc cette émission au coin du Blu-ray. C'était un plaisir de vous présenter ça en cette année 2021. On se retrouvera en 2022 certainement pour un nouveau concept. Dites-moi, tiens, dans les commentaires, alors je pense pas que je m'en inspirerai parce que j'ai déjà à peu près l'idée du nouveau concept, mais dites-moi ce que vous aimeriez comme concept de vidéo le mercredi. Je vais noter ça et peut-être pour les années suivantes, j'en profiterai pour potentiellement m'inspirer de ça et citer la personne qui m'aura inspiré justement le concept. Mais n'hésitez pas à me mettre ça dans les commentaires. Tiens, ça me ferait plaisir d'avoir votre avis là-dessus. Mais me mettez pas par contre au coin du 4K, parce que j'ai pas de quoi lire les 4K, donc j'ai pas de 4K. Donc ça servira à rien de demander de faire au coin du 4K. Le format est pas encore assez diversifié et pas encore assez accessible pour faire en sorte d'en faire un format tous les mercredis. Donc me mettez pas ça dans les commentaires, c'est pas possible, je peux pas. Mais voilà, je vous dis à l'année prochaine. Et comme je vous l'ai dit tout du long de cette année dans cette émission, il y a bien plus de secrets qui se cachent dans une jaquette de Blu-ray ou un coffret de Blu-ray là pour le coup.